Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Les courses, le quintet, il y a 3, 4, 5 qui sont pas mal, hein, le 6, 9 aussi là. Et pour le quintet, on a quoi là? Il nous propose quoi pour le quintet? On va essayer d'éplucher ça vite fait, avant le départ. Donc, il faudra que je prenne mon ardoise pour faire mes calculs. R1 C4 à 15h15, les gars. R1 C4 à 15h15, qu'est-ce qui se passe? C'est du plat, c'est 2100 mètres, du plat, corde à droite, une piste en herbe. Qu'est-ce qui est tombé déjà à Chantilly ce matin, là? Il y a des suites. Les pistes en herbe, c'est les suites, oui, quand même. R1, C1, on a 2, 3, 4, 5, 6. R1, C2, on a 6, 7, 8, 9. Enfin, on n'a pas le 8, on a le 3, 6, 7, 9, 3. R1, C3, on a 4, 3, 2, As, 6. R1, C4, par contre, il y a 14 partants. Il y a beaucoup de partants après sur les courses à Chantilly. Non, pas trop. Bon, les courses à Chantilly aujourd'hui, il faut faire attention aux 3, 4, 5. Hein. 3, 4, 5 en simple placé, pour le quintet ça devrait rentrer, on va regarder les cotes. Les cotes de 3, 4, 5. Alors donc c'est une piste en herbe, on aime bien faire des suites de numéros, piste en herbe. Pas des suites, je me comprends, même si c'est un décalage de 1 numéro. La 2100 mètres, la valeur du favori c'est 4,5. On fait 2100 mètres, on fait 21 moins 4, 4, 17. Et on fait 2100 mètres, on prend les deux zéros derrière, on rajoute... 1, ça fait 100. 100 moins 5 égale 95. 21 moins 4 égale 17. 100 moins 5. Moi, j'ai la cote de 4,5 du favori avec l'As. Donc, on récupère comme numéro 17 et 95. Donc, on fait 95 moins 17. Ça fait 78, c'est ça? On va récupérer 78. Comment on fait 7 fois 10 Alors comment on fait le 7, comment on fait le 10? Oui, un quintet, donc avec seulement 14. 78, confiant, hein, pour, 95 moins 17. Bon, en tout cas, on et a ça, ça fait 78, ça, 95 moins 17. Est-ce que sur des bonnes sorties à ce niveau-là, 95 moins 7, ça fait 88. L'autre jour, il était monté ça fait 78. Hein. Comment on fait 78, les gars? On doit récupérer 78 dans les 4 premiers, on doit récupérer 2 fois 13. Quel chiffre on va mettre? De s'imposer si tout se passe bien. 4,80€, donc un favori tout à fait... 78, les anciennes places, les anciennes perches du favori, c'est 5, 0, 6, 5, 2, 5, 0, 6, 1. Les anciennes places du favori, là. On a 78, ce que je te parle. 78,5, ça fait 73, moins 6, ça fait 72, moins 5, 73, moins 2, 74. Moins 6, 72, moins 1, ça fait 77. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il n'y a pas des numéros qui pourraient nous marquer, là? Qui nous parleraient? On part à 15h15 aussi, il faut égaler 15h15, il faut égaler 2 fois 13. S'arracher les cheveux longtemps avant qu'on fait ne puisse réellement s'exprimer et laisser de gros regrets. Fais quoi, comme calcul? Je prends mon ardoise ou on fait autre chose? On va prendre un numéro qui nous plairait. Genre un numéro marrant, tiens, comme le 13, on y va. Ou alors le 11, en or. Il y a le 9, El Magnifico, c'est un bon cheval. Ou sinon, un nom bizarre, Oupins de l'As, Creative le 2, Charming Spans le 3. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Au-delà, c'est vrai, de cette impression visuelle, l'autre gros... Avec le 13, on y va, un bien se plaire, 13, 10, 5, 2. Alors on va regarder une autre course de référence qui va nous permettre de voir que la jument créative est en forme. Hier, on avait des cotes entre 10 et 19 contrats en quintet. On avait des cotes entre 10 et 19 contrats en quintet, à part il y en avait un qui était à 20 contrats. Là, je vais regarder le live des Tidias qui propose. R1 C4 à 15h15 de départ. On part à 15h15. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire 15h15? 5 x 3, 15. 10 et 5. Comment on fait 5 x 3 ou 8 et 7, 15?
Après, il ne termine pas à 100 mètres. Hein. Non, mais j'étais très chaud de Célestin il y a deux jours à Longchamp qui a gagné le quintet. Ils ont fini ensemble ce jour-là. Donc comment on va déchiffrer ça, les gars? Je fais 78. Je parle des anciens 78. Moi, on est à 4,4 du favori là sur le live PMU. On fait 2100 mètres, on fait 21 et 100 là. 2100 mètres, on fait 21 et 100. Ou à Royan, il y a 3100 mètres, on fait 31 et 100. R8, C10, il y a 1609 mètres, donc on fait 16 et 9. Ah oui, quand il y a 2-0, on met un 100, on met 100. Ouais, je mets comme ça. Donc 21 moins 4 égale 17 et 100 moins, 10, moins 2 égale 98. Ça fait 98 moins 17, ça fait 81. Comment on retrouve 81, les gars? Est-ce qu'il pourrait nous faire 81, les gars? Il y a le 8 qui a 8,9. Bah, si tu enlèves la virgule, ça fait 89 moins 8, ça fait 81. T'as le 9, 92 moins 9, égale 81. 8 et le 9 devraient être là. Hein. Il y a 14 partants. S'il faut faire 13 deux fois avec 8 et 9, on fait 9, 8, 12, on fait 8 et 5, 13, on fait 9 et 4, 13. La tâche n'est pas évidente avec 2 kilos de plus, ça reste les courses à handicap. 8 et 5, 13, 9 et 4, 13, mais le 5 et le 4 ont l'air un peu cher. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, là? La combinaison 8, 7, 9, 3, ça arrive souvent, cette combinaison là. Là, ça a 4,2, donc 1, 2, 3, 4, 5, on prendra le 5. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que le cheval avait réussi à. Avec la combinaison 5 As, 3, 4, c'est possible aussi, ou 8, 7, 9, 3. C'est possible, qu'est-ce qu'il tombe hier comme quintet? Le 13, il paraît un peu cher. Hein. Ou alors, on est en été, on aime bien se plaire avec les combinaisons. C'est quoi? As 3-13, As 2-12, As 4-14, des combinaisons comme ça. 10 As 4-14, ouais, en hiver, on aime bien prendre un dernier numéro, là, entre 11, 12, 13, 14. Le 13, on y va, il est cher payé, putain. Là, on voit que c'est compliqué. Hein. Je crois qu'il va falloir quand même un peu de chance. Les numéros de chance, ma formule de numéro de chance, c'est 13, 5, 10, 2, 13, 5, 10, 5. 13, 5, 10, 2, ouais. Il n'y a pas 15 partants là. Sinon, c'est 13, 5, 10, 15. 13, 5, 10, 2. Il devrait se placer entre 5, 10, 13, 2. Il devrait y en avoir un. C'est peut-être un surprenant là-dedans. Était moins bonne, elle a fait une course. Ou sinon, comment on fait? Deuxième course, sa valeur est revenue à 37 maintenant. J'ai pas de sentiment, j'ai pas d'impression, j'ai pas grand chose là. 4,1, moi je prendrais 1, 2, 3, 4, je prendrais le 5. Et avec l'As, je prendrais le 14. 14, 5, 14, 5 As. 14 moins 1, ça fait 13. 14, 5 As, 5 et 1, 6 et 5, 4 et 1, 3. 3 fois 5, 15, moins 1, 14. Ouais, on fait A5, 6, 14 ou A5, 6, 4. Il est dur à juger sa rentrée. A5, 6, 14. A5, 14. A5, 14 et 6 ou 9. En plus, une case à corps, c'est vrai que 5, 14, 6 ou 9. Ou alors A5, 14, 8 et 5, 13 aussi. 8, 5. Alors, la combinaison 8, 3, 5 ici, là. A8, 3, 5, A8, 3, 5, 14. À suite 3, 5, 11, à suite 3, 5, 12, à suite 3, 5, 12, à suite 3, 5, à suite 3, 5, 6, à suite 3, 5, 7, un truc comme ça, à suite 3, 5, 6, à suite 3, 5, 7, on a quoi, 2100 mètres, il fallait qu'on fasse combien avec 2100 mètres là? 21 moins la cote du favori, 4, ça fait 17, et 100 moins 4, ça fait 96, 10, 96 moins 17, 89, ça fait 79. Écoutez ce qu'a déclaré tout à l'heure son jockey Clément Lecoeur. Donc c'était quoi mes numéros que je te proposais là? Pour rentrer dans le quintet, à 5, 14, à 89, 14 et 5, ça fait 19. Il faudrait qu'on fasse 80 derrière. Ça fait 9 as 8, ça fait 80. Ça fait 1, 10, soit 8, 80. 14 et 5, ça fait 19. Ah non, il faudrait juste 9 derrière.
Oui, je suis pas encore redescendu mon nuage, donc j'avoue que voilà. Comment on va faire celui-là? 6, 8, 9, 14, As, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 5, As, 14, 6, 8, 9, 5, As, 14. Qu'est-ce qui tombe hier au quintet? J'ai l'impression qu'elle fait que progresser, voilà, qu'elle fait. Il faut se rapprocher aussi de l'arrivée qui vient de se faire à la course d'avant et puis au quintet d'hier. Pour le quintet, je m'appuie aussi sur le quintet d'hier. On va regarder les chevaux s'échauffer aussi. Ça part dans 6 minutes. Je ne peux pas venir à gauche, donc on est obligé d'aller à la corde. Donc avec, c'était quoi le quintet hier? C'est vraiment un gros point d'interrogation. En gain. Il faudra un petit peu de chance, on va voir ça, Hélène. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Alors, c'est où ça? Un reportage sympa sur Hélène Ménessier qui nous expliquait qu'elle avait... 7-10-12, 4 as hier. 7-10-12, 4 as. Ouais, c'est 12 que je vais être emmerdant. C'était pas un quintet. On peut prendre le 7. Et l'allocation était celle d'un beau quintet. Le 7 ou le 12. On fait 5 as, 5 as, là ça a l'air pas mal, hein. On peut débuter avec l'as et finir tout derrière, hein. C'est possible. Hein. On fait as 3 ou as 5, as 3 ou as 5. Alors Honor qui a remporté un quintet et qui l'autre... As 12 ou as 12, as 12 6, as 12 7, as 12 7, as 12 7 3, c'est pas mal aussi as 12 7 3. As 12, As 7, 3, As 12, 7, 3, As 12, 7, 3, 8, As 12, 7, 3, on fait plus ou moins ça quelque part, As 12, 7, 3, As 12, 7, 3, ou alors on finit 5, 10, 13. As 12, As 12, 7, 3, 5, As 12, 7, 3, 10, As 12, 7, 3, 6, As 12, 7, 3, 9, As 12, 7, 3, 11, As 12, 7, 3, As 12, 7, 3, 5, As 12, 7, 3, 8, As 12, 7, 3, 6. Ça va être très compliqué. D'accord. Pas confiant. C'est pas mal, sinon. As 12, 7, 3, 14. Gilbert, c'est un homme qui traverse une période très faste. As 12, 7, 3, 14. Mais depuis 2-3 mois, ça se passe de façon assez incroyable pour lui. As 12, 7, 3. Ça me paraît pas mal. Je vais vous poster ça, cette vidéo-là. Je prends ça vite fait. De savoir s'il va être capable de confirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est... Je mets pas en live. Je fais juste comme ça. Ouais, il est compliqué le quintet, hein. C'est juste pour regarder, là, c'est pas à peine de jouer, il est compliqué celui-là. On fait rien, là. L'as peut-être, et mettre tout derrière, mais faut pas mettre un gros ticket. Hein.